الرحمن الرحيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali Asmani, qui est ici avec nous, son âme et son cœur et son épouse. Excellence, le très honorable Président de l'Assemblée nationale. Excellence, mon cher frère et beau-frère, Monsieur Anis Chabzidim. Monsieur le Président des institutions de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations internationales et non gouvernementales, Messieurs les officiers, sous-officiers hommes de rang, dits représentants de toutes les couches de la société, mes chers co-insulaires de l'île autonome d'Anjouan, honorable assistance, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grâce et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Après avoir prêté serment devant Dieu et devant les hommes, je mesure avec la plus grande humilité le poids de la responsabilité qui repose désormais sur ma conscience. De par l'éducation que j'ai reçue de mes parents et de mes maîtres, j'ai toujours su me baisser pour ramasser tout ce que Dieu place sur mon chemin, sans jamais être tenté de bomber le torse et de tomber dans un narcissisme qui m'a jusqu'alors épargné. C'est ainsi que je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui m'a toujours permis depuis mon jeune âge d'être au service de mon pays, à côté de sa population. Et de contribuer de façon infime à la construction de ce beau pays. En accédant aujourd'hui aux fonctions de premier magistrat de l'île autonome d'Anjou et de présider à sa destinée pour le mandat de 5 ans, je resterai fidèle à mon esprit patriotique et à l'amour que je porte à cette patrie. Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mon allocution d'avoir une pensée triste à mes parents qui se sont efforcés de leur vivant à nous donner une éducation irréprochable. J'aurais tellement bien voulu qu'ils soient là aujourd'hui, mais Dieu en a décidé autrement. Qu'ils reposent en paix. Cette même triste pensée va à mes frères aînés. Ils sont arrachés très tôt de notre amour, après avoir fortement contribué à notre éducation. Aujourd'hui, il me manque énormément, mais je me soumets à la volonté de Dieu, même si la douleur est incommensurable. Mesdames et Messieurs, à cet instant de grande solennité chargée d'émotion, j'éprouve un sentiment de reconnaissance envers les Anjouanaises et les Anjouanais qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Je voudrais vous rassurer, mes chers co-insulaires, que je ne ferai l'économie d'aucun effort pour encore davantage mériter votre admiration. Même si certains seront déçus, mais pour l'intérêt de la cohésion sociale, je ne serai le gouvernement d'aucun clan. Je ne serai le gouvernement d'aucune couche sociale, je serai le gouvernement de toutes les Anjouanaises et de tous les Anjouanais. Mesdames et Messieurs, à ma prise de fonction, mes premiers mots seront pour le président Azali Asmani, à qui j'adresse en mon nom personnel, au nom des Anjouanaises et des Anjouanais, mes chaleureuses félicitations pour sa réélection à la magistrature suprême. En ma qualité de fidèle de chef de l'État, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner la vision d'un grand homme. Aujourd'hui qu'il est réélu, permettez-moi, mesdames et messieurs, de redire à quel point le président Azali Asmani incarne l'avenir et l'espoir de ce pays. Je saisis cette opportunité
pour saluer cette confiance renouvelée à un visionnaire pragmatique, un homme d'État intelligent de haut rang, un amoureux de son pays, un infatigable défenseur de la démocratie et du bon vivre ensemble. Au cours de son mandat de président de l'Union africaine, il a honoré son pays par son dynamisme, son savoir-faire et sa maîtrise incontestable des dossiers. Ses qualités de négociateur intransigeant, imperturbable et convaincant, ont fait d'élu un chef d'État admiré et respecté par ses pairs. Ce magnifique bilan a placé l'Union des Comores dans le concert des grandes nations africaines. Le peuple comorien lui en est redevable. Que Dieu l'accompagne dans son nouveau mandat. Quant à moi, je le renouvelle ma fidélité, ma loyauté et ma fierté de continuer à travailler avec lui. Mesdames et messieurs, à vous tous qui m'honorez de votre présence, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude. À l'ensemble des Anjouanaises et des Anjouanais, je voudrais vous dire que je suis conscient des attentes de chacun de vous et de vous tous. Je n'ai aucun doute, j'en ai même la certitude, qu'ensemble derrière le chef de l'État, nous serons capables d'être au rendez-vous de tous les défis qui se posent à nous. Qu'il s'agisse de l'unité nationale, des infrastructures de base, de la politique d'entrepreneuriat, de la protection de nos écosystèmes, de la lutte contre le dérèglement climatique, qu'il s'agisse de l'assèchement de nos rivières, de la problématique de la santé, de l'éducation et de l'autosuffisance alimentaire. Je rends un hommage appuyé au chef de l'État pour affronter ces difficultés. Il peut compter sur ma loyauté, mon amour du travail, pour l'accompagner dans ce combat exaltant. Notre pays, mesdames et messieurs, a la chance d'avoir un document clair et ambitieux. Il s'agit du plan Comores émergent. Initié par le chef de l'État avec la participation inclusive de tous les Comoriens, ce plan aspire de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Ce document constitue une base d'inspiration et m'offre tous les ingrédients pour mener à bien mes fonctions dans la rigueur et la détermination. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, si je passe sous silence l'épidémie de choléra qui a lourdement endeuillé notre île. C'est la conséquence du déni de la maladie, du comportement condamnable, voire méprisable, de certains responsables, mais aussi du manque d'eau potable dans l'île. Cette épidémie est actuellement maîtrisée, même si un deuxième pic n'est pas écarté si nous baissons la garde. Nous devons faire entrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures d'hygiène qui sont la base de la lutte contre plusieurs maladies. L'assainissement de l'eau est un impératif pour endiguer toutes les maladies dites hydriques. Je salue le formidable travail fait par tous les professionnels de la santé, les associations féminines qui ont joué un rôle salutaire, les jeunes qui se sont mobilisés très tôt, les médias qui ont mené un combat acharné, toutes les bonnes volontés et la solidarité internationale sous le leadership du ministère de la Santé, mais surtout l'engagement personnel du chef de l'État. Je demanderai, mesdames et messieurs, d'applaudir tous nos hôtes qui sont déplacés pour venir nous appuyer dans ce lutte contre le choléra. Croix-Rouge, OMS, les organisations internationales, l'UNICEF et j'en passe. Mesdames et messieurs, à mes chers en guerre, qui pour leur comportement pacifique ont rehaussé l'image de notre île et ont fait preuve de patriotisme. Je leur tends une main d'amitié et de fraternité pour l'intérêt suprême de notre île et de notre pays. Je tends cette même main fraternelle à mes sœurs et frères de la diaspora. Ils ont un rôle catalyseur à jouer dans l'épanouissement de notre chère île. Je prêterai une oreille attentive à leurs recommandations et à leurs conseils.
Le temps est venu, mesdames et messieurs, de nous réconcilier, de penser à notre chère île, à notre beau pays. Nos enfants nous regardent, ils vont nous juger sur l'héritage que nous allons leur léguer. Nous avons la responsabilité de ne pas échouer. Unis, ramant vers la même direction, celle de la paix et du développement, nous constituerons une force positive. Comme disait un sage pénulement, si tous les enfants de ce pays venaient avec leurs mains assemblées, ils peuvent remplir la jarre percée. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de terminer, je réitère mes remerciements au chef de l'État pour cette confiance renouvelée. Mes profonds remerciements s'adressent à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche à mes côtés pendant la campagne électorale et à qui je dois cette belle victoire. À la première dame qui a accueilli avec enthousiasme ma candidature, qu'elle soit remerciée. Ma gratitude va au parti CRC, qui m'a choisi pour porter ses couleurs, qui continue à me faire confiance, à m'accompagner et à me soutenir. J'espère pouvoir encore mériter cette confiance. Merci aux organisateurs de cette cérémonie qui ont mis toute leur énergie et leur savoir-faire pour que cette fête soit belle. À mes hommes qui se sont déplacés, certains de loin, pour honorer de leur présence cette cérémonie. C'est le témoignage d'une amitié inébranlable. Je vous dis merci au fond du cœur. À mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres, à ma famille, mes frères et sœurs, ma belle-sœur, mes amis, mes collègues, j'exprime ici le témoignage de mon affection et de ma reconnaissance. À celles et ceux qui n'ont pas pu venir à cause de la météo, je leur dis merci. Un grand merci à la communauté internationale pour le regard particulier qu'elle porte sur l'île d'Anjouan pour son développement. Avant de clore, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'adresser un mot singulier à une dame présente dans ce lieu. Aucun mot ne saura exprimer la reconnaissance que j'ai envers elle, l'amour que je lui porte. Elle est depuis plus de 40 ans ma femme, mon épouse, la mère de mes filles. Elle est, depuis plus de 40 ans, ma femme, mon épouse, la mère de mes filles, la belle-mère de mes gendres, mon amie intime, ma confidente et ma première conseillère. Elle a toujours su, avec tendresse et amour, me tirer vers le haut. Nous avons su nous souder et nous soutenir mutuellement. Aujourd'hui encore, j'ai besoin d'elle dans l'accomplissement de cette noble mais délicate mission. Je parle de ma chère et tendre épouse, Madame Loubia Kouti Atma Zeynou, ministre de la Santé, à qui je dois amour, respect et gratitude. Merci, mon Dieu. Pour terminer, permettez-moi de rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, mon très cher beau-frère, Son Excellence Alissi Chamsidine, pour le courage et l'abnégation dont il a fait preuve pendant son mandat de 5 ans. Pour avoir eu la chance de travailler avec lui en qualité de directeur de cabinet, j'ai appris à connaître l'homme, ses qualités humaines, son expérience professionnelle, son amour pour cette île et sa connaissance du terrain. Nous avons passé avant-hier 1h30 d'entretien pour éplucher tous les dossiers d'Anjou. Je vous rassure, mon cher beau-frère, aucun dossier ne sera mis de côté. Tous les projets que vous avez initiés seront poursuivis. Je vous souhaite, chers frères, le meilleur de la vie et merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez encore pour cette belle île. Que Dieu bénisse l'île d'Anjou dans l'union des communs. Que Dieu protège nos chefs d'État et sa famille, persévérons et continuons à nous battre pour la paix, la cohésion sociale, pour que vive l'union des Comores dans la solidarité et l'île d'Anjouan dans la prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة لمن الصالحين. Basi fakama tu rais ila beroe ya pamoja bani na wazi na kumshi mtukufu wae kwezi mwana ya mtukufu president wae assemblée nationale kwezi wa tukufu harma waka kunde hunu tungo ndipu wa uya mwanda islam lomnumidi ya mwana afikiri na malezi ayapara na uwantula mbale uka wazipan wapara wakute zi mkufuzi wa suwa mendongo ni mnyan moja wa tukufu le unmile ya mezimbu nike de wa miwa le numero ya telefoni ischangewe mtuantao anpare wakati ya lazimu anpare reparanya pia wasu wa mtuwana walaka wasi mtu mana mesu wanatua sordisa maruwa nishia infitin katodisa mbauka opposition awuka pouvoir bemulishia infitin wananyakuna kefa moja luhundre tuwani mtimo wongo zwa rais wa idawla walaafu wa minkumu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.